Bonjour à tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va faire notation scientifique. Alors, grand 3, notation scientifique. Alors, par exemple, 10 à la puissance 3 égale, alors je sais bien que c'est 10 fois 10 fois 10, 3 fois. C'est 1000. Voilà. Alors, mais de façon générale, 10 à la puissance n, avec n un nombre entier positif, c'est 1 suivi de combien de 0? De n 0. Voilà. Donc, par exemple, 10 à la puissance 4, c'est égal à 1 suivi par combien de 0? De 4 0. Voilà. Alors maintenant, pour le cas d'exposant négatif, par exemple 10 à la puissance moins 2 égale C1 sur 10 à la puissance 2. Alors pour passer d'un exposant négatif à un exposant positif, il suffit d'inverser. Donc égale 1 sur, alors ici 1 à la puissance 2, c'est 1 suivi par 2, 2 0. C'est 0,01. Voilà, donc regardez ici, il y a combien de 0? Il y a 2. Alors, donc de façon générale, on peut dire que 10 à la puissance moins n égale donc 0,01. 0, 0, donc combien de 0? Donc n, 0. Enfin, on met 1. Voilà. Alors, donc, par exemple, 10 à la puissance moins 3 égale 0,01. Alors, donc, pour n entier relatif non nul, alors 10 à la puissance n égale donc C1 suivi de combien de 0? De n0. Voilà. Et pour la deuxième à exposant négatif, donc c'est 0,00. Alors combien de 0? N0. Et à la fin, on met 1. Voilà. Donc on va passer aux exemples. Alors donc ici 10 à la puissance 3. Donc on met 1 suivi de 3 0. Voilà. Maintenant 10 à la puissance moins 2, c'est 0, alors combien de 0? 2 0 et enfin on met 1. Maintenant 10 à la puissance 6. Donc c'est 1 suivi par 6, 0. 3, 4, 5, 6. Et 10 à la puissance 9, c'est 1 suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et enfin, 10 à la puissance moins 5, c'est 0,2, 3, 4, 5, 0 et 1. Voilà. Alors, notation scientifique. Alors, donc, écrire un nombre en écriture scientifique, c'est l'exprimer sous la forme A fois 10 à la puissance n et A un nombre entre 1 et 10, mais pas 10. Alors, donc, voici un exemple d'écriture scientifique. Donc, ici, j'ai une puissance de 10. Et ici, un nombre dans la partie entière est strictement compris entre 1 et 10 ou 1 et 9. Alors, exemple. Donc, pour les nombres supérieurs à 1, l'exposant 1 sera positif. Alors, maintenant, je veux écrire ce nombre sous la forme d'écriture scientifique. Alors, donc 6, 2, 5, 8. Alors, donc, où je vais placer la virgule? Donc, ici, car ce nombre, il est strictement
compris entre 1 et 9. Donc, fois 10 à la puissance. Alors, donc, je décale la virgule par combien de ronds? Donc, 1, 2. Donc, 10 à la puissance 2. Voilà. Maintenant, pour le deuxième. Alors, bien sûr. Alors, donc, on va placer la virgule ici, fois 10. Alors, donc, on décale la virgule ici par un rond. Voilà, donc à la puissance 1. Donc c'est 10. Voilà, alors maintenant pour le troisième nombre. Alors il est où la virgule ici? Bien sûr, elle est là. Alors donc c'est 1,6. Alors donc on va décaler la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc fois 10 à la puissance 10. Alors maintenant, pour les nombres inférieurs à 1, l'exposant sera négatif. Alors donc, regardez ici, toujours on multiplie par 10 à la puissance un nombre positif. Alors pourquoi? Parce que ces nombres, ils sont supérieurs à 1. Maintenant, pour les nombres inférieurs à 1, donc, alors ici c'est... Donc ici, on va placer la virgule ici. Bien sûr, c'est 2,4, car le 2 il est compris entre 1 et 9. Et on va décaler la virgule 1, 2, 3. Donc moins 3. Voilà. Et pour le deuxième, donc on va placer la virgule ici. C'est 2,36. Donc 1. Donc on décale la virgule par un rang. Donc, fois 10 à la puissance moins 1. Et pour le troisième, donc on va placer la virgule ici, 3,4 fois 10 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, moins 6.